Launch authorization received. Salut mes chéris, c'est Takowski. On va parler moins vite. On se retrouve pour l'épisode 5 de Star Wars République Commando. J'ai dit l'épisode 5 ? Non, l'épisode 6. Puisque l'épisode 5, c'était là où on changeait d'acte et qu'on se retrouvait dans ce vaisseau un peu merdique, délabré, on va dire. Avec des morts partout. Et des morts, des clones ! Des clones, c'est-à-dire ma famille ! Et la famille, c'est sacré, tout le monde le sait. Et donc, l'épisode 5 avait été assez stressant pour ma part. Oh putain, ça va pas recommencer déjà. Et donc oui, on avait découvert de nouvelles créatures, les Trandoshan, ces trucs de merde. Non, on va garder l'arme, on va se soigner. Combiné à d'autres trucs, c'était des droïdes, enfin des robots de merde. Tout petit machin, mais... bien casse-couille. Oh putain. Eh, viens m'aider toi. Oh, ça c'est trop chiant. Ça fait des robots à l'infini si on l'explose pas. Allez, recharge. Putain, il est lent ce truc. Hop. Oh merde, il est pas mort. Ouf. Es-tu prêt? Eh putain, je suis coincé. Grenade, alors là on va tout faire péter. Hop. Yeah. Alright. La porte est ouverte. Attends, je me soigne, j'arrive. On se casse. On prend des mines. Je vous vois. Des droïdes. Pourquoi je peux pas prendre? Bon, tapis, on s'en fout. Oui, bah c'est ce que je fais. Hop là. Dégagez. Ouh. Dégâts importants sur l'ensemble du vaisseau. Des esclavagistes, dispersez-vous. Hey, il s'est lancé la grenade dessus. Ah. Oh putain, c'est vraiment pratique cette arme quand même. Allez, on est parti. Le chef d'escouade est KO. Oh my god, mais il s'est passé quoi là? On doit s'occuper d'eux avant de pouvoir aider 3-8. En combien de coups m'a-t-il défoncé? Un seul le truc. Allez! Help me please. Ah ok, il avait un pont, donc du coup ça me one shot je crois. J'ai plus que 6 balles. Voilà. Avec ça c'est plus marrant. Putain de droïde. Ouf, je l'ai défoncé. Voilà, c'est ces droïdes là dont je parlais pour ceux qui n'ont pas suivi la série. Putain, désolé. J'ai eu un coup de stress. Comme je vous l'avais dit. C'est assez stressant pour moi ces épisodes ici. Allez, on avance. Putain, les grenades là, ils en lancent maintenant de... Non, c'était pas une grenade. Putain, j'ai eu l'impression qu'il avait lancé un truc. Oh putain. Ouf. On va se soigner. Il a l'air mort. Bah, j'espère bien. Mais c'est Delta 07. Ils sont en train de l'interroger. Ah putain, faut aller l'aider. On va vivre à ces lézards. Oh. Allez, go. Mais pousse-toi! Putain, ils font hyper mal avec leur pompe. Remarque, moi je fais aussi mal avec celui que j'ai. Enfin, c'est le même, donc du coup. C'est un peu logique, hein. Mais quel con là! Je vais faire sortir le sniper, je pense.
Mais putain! Eh non, 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 je vais pas. Je me suis gouré. Help me! Elles sont hyper bourrées, ces tourelles. Voilà. Ah non. Voilà. Et t'as pas un peu mal, toi? Non, pas du tout. Je boite avec plaisir. Allez. Hop. Ah, 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 ah. Soignez-vous, soldat. Bien compris. Eh oui. Je récupère du bacta. Après, tire là-bas. Allez, grouille-toi, on n'a pas toute la journée. Soldat guéri. Bah moi je vais y aller aussi du coup. Hop. Oh my god. Le pauvre il va se faire masser. Alors moi je me prends plein de tonnes de coups de couteau. Enfin je veux dire en un seul je me fais bien exploser. Lui. Ah là là, ah là là. Oh putain. Que quelqu'un prenne la tourelle. Je monte sur la tourelle. Classe. Non, en fait, t'as plus besoin. Allez, casse-toi. Prêt à faire feu. Abandonnez la tourelle, soldat. Affirmatif, je m'en vais. On avance. Ne laissez pas s'approcher, ces esclavagistes. Ouais. Oh bah ça a été rapide là. Hop, on recharge et on entre. Ah non, c'est pas encore maintenant. 07 doit être derrière cette porte. Dépêchons-nous. Allez, fais-le, moi. Je patiente. C'est bon. Déjà. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ces droïdes de récup. J'ai été touché. Oh putain. Oh là là. Non, sans blague. Dernière sauvegarde. Ah ok, c'est bon. Allez, open door. Let's go boy. Oh, dans le cul mon gars. Oh la vache. Soldat, on doit s'occuper d'eux avant de pouvoir aider pour lui. Bah tue-le. Grenade. Allez, viens me sauver. Vite. Je sens qu'il va crever là, on va encore recommencer. Allez, allez. C'est bien mon gars, t'es un bon. Va soigner 07, je m'occupe des grosses sacs. Voilà. T'as tout compris, j'ai même pas besoin de lui demander. Je vais me soigner. Donc il nous reste plus qu'un membre de l'équipage. Enfin, de l'équipage, qu'est-ce que je dis? Un membre de l'escouade à trouver. Et continuer à fouiller. Oh putain de sa merle! Cache-toi, Etienne. On va prendre les grenades d'électricité. Mais putain, quel con! Oh putain. Et on va recommencer à zéro de la truc là. Putain, fais chier. Ouvrez cette porte, soldat. 07 doit être derrière cette porte. Dépêchons-nous. Préparons-nous à une résistance acharnée. On est à l'intérieur. Esclavagiste. Les secours arrivent, 07. Je reviens tout de suite.
Oh le con. Allez pique à lui. Allez. Je le sauve. Voilà. Merci pour le coup de main, soldat. Soignez. Allez vous soigner. On va lancer les deux grenades que j'ai. Ils ont eu un cœur. Soldat, à couvert. Dans ce cas, on ferait mieux de le retrouver avant que les reptiles ne s'en. Je parle pas trop là parce que ça me stresse. Mais il est mort, ça y est. Ouais. Super. Hop. Je suis prêt. Va te soigner. Bien compris, je récupère du bacta. Je prends pas la mitraillette, hein. Ok, là-bas, je vais garder le fusil à pompe. Je me sens mieux maintenant. T'es esclavagiste. Encore ! Toujours le même. Derrière vous. Oh putain, lâche-moi. Mais tu vas crever, oui ! La vache ! Oh putain ! Mais il était où, lui ? Allez, sauvez-moi la vie. Heureusement que vous êtes là. On peut pas dire que j'assure grave. Voilà, je savais bien qu'il y en avait un. Voilà qui est fait. Il faut trouver Delta 6-2. Oui. Oh, évasion. On se casse déjà d'ici. On se met à couvert. Attention, des esclavagistes. Ok, il y en a un paquet. Derrière vous. Oh, y'a quoi par là? Allons voir. Je sais même pas dans quel sens faut aller, sûrement par là. Hein. Oh la vache! Oh putain, j'ai chaud. Allez! Tuons-moi tous ces têtes de mort! Beaucoup comprendront pourquoi j'ai dit ce tête de mort. Les autres, je vais vous expliquer pourquoi après. Tiens! Tête de mort! Faut aller dans quel sens là? Les Trandos savent que nous venons chercher 6-2. Préparons-nous à une résistance acharnée. Oh, c'est merde, il est mort. Allez. Explosif. Ça va exploser. Oh la vache. Les esclavagistes. Oh putain. Non. Allez. À l'attaque. Oh putain. Oh le con. Non. Oui, impressionnant. Je sais. Alors là, il y a du soin quelque part, non? Non, même pas. Putain, mais je rêve. Ah si, mais si. Bah, c'est bien. Ajoute-toi. Merde. Allez. Soignez-vous, soldat. Bien compris. Je récupère du bacta. Du droïde. Est-ce que c'est utile contre les soldats, putain? On va voir ça tout de suite. Oh la vache. Je sais pas ce qui m'est arrivé là. Mais j'en ai rien à carrer du protocole, connard. Tu viens me soigner et tu fais pas chier. Et si tu crèves, c'est pareil, je m'en fous. Tant que je suis en vie. Ça fait le gros bâtard. Non mais bien sûr, en vrai, le mec... voilà, je suis très vaillant, hein. Je suis prêt à mourir pour... Cette porte mène à
pour mon pays, pour sauver mes amis, etc. On entre en silence. Oh my god. Allons voir ce qu'il y a de l'autre côté. Absolument, chef. Moi je sais. Mise en place de la charge. C'est bon. Oh putain. Non. Je me suis trompé de touche pour marcher, putain quel con. Allez viens m'aider, viens me sauver, viens me sauver. Putain de connard. Bon, alors là maintenant je sais comment faire. Je ne mourrai pas deux fois. Où est-ce qu'on réapparaît? D'après les plans, cette porte mène à la salle de contrôle des cellules. Accès limité. Système de défense automatisé actif. Il y en a encore un là. On entre en silence. On le relève. Faites sauter cette porte. Absolument, chef. Allez, j'ai des gommes sur les gars. Mise en place de la charge. C'est bon. Corps des tourelles. On est à l'intérieur. Delta 6-2 doit être dans une... Oh oh oh! Il faut trouver le panneau de commande du bloc de détention. Merde. Ils ont bien cœur. Sale bêta. Et qu'est-ce qu'il vient foutre là aussi? Il y a une mine. Voilà. Et toi? Oh, merde. Okay. Bon. Oh, la musique est trop bien. Elle en avance. Je vais l'aider vu que toi tu t'en fous apparemment. Voilà. Prêt à partir, chef. Ah, ça c'est beau ça. Ça c'est beau. Eh oh! C'est pourquoi ça? Je me sens mieux. Pour pirater la console, mais de toute façon, les tourelles, je les ai des gommes. Delta, utilisez votre matériel. Je suis en route. Oh la vache! Bon bah moi je vais me re-soigner de suite. Allez, re-go. Bonjour messieurs. Ou monsieur, tout simplement. Les autres ne sont pas là. Allez, on va sauver l'autre là. Par où on va? Je peux aller par le bon côté peut-être. Non, pas non plus. Ah non, faut peut-être pirater ça là. Bah allez. Ah oui donc. Pourquoi tête de mort? Eh bien, si vous avez suivi l'épisode 4, il me semble que c'est là où j'en parle. Eh bien, je travaille pendant tout le mois d'août en tant que... Ah. En tant qu'éboueur, c'est-à-dire que je ramasse la merde des gens tous les matins. Et donc moi je suis là en tant qu'étudiant et je travaille donc avec un titulaire. Et samedi je suis... J'ai travaillé. Samedi j'ai bossé avec un titulaire qui n'arrêtait pas de dire tête de mort, genre... Oh il fait chier lui avec son... Oh putain, il fait chier sa tête de mort avec son sac à la con, un truc comme ça. Et il a dû dire, oh, il va tirer un truc qui fait mal. Et il a dû dire tête de mort une trentaine de fois et je rigole pas. Alors tête de mort là, tu vas mourir. Non mais vous savez, on se marre énormément à ce boulot. Hein. Il faut bien parce que bon. Ramasser des poubelles, c'est quand même pas super cool. Et donc il faut bien se détendre un peu. Mais bon, moi j'aime bien, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Ça va bien un mois, on va dire. À faire ça toute ma vie, je suis désolé, mais moi, je ne pourrais pas, c'est trop chiant. Tenez-vous prêt. Je me mets à couvert et j'attends les ordres. Hop, 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 hop. Après, les horaires sont super cool, hein. On fait 5h midi, mais bon, hein, on finit vers 10h, hein. Ça, les tournées ne durent jamais jusqu'à midi pile, hein, évidemment. Ah, sa mère. Donc ça veut dire que l'après-midi, on est libre. Bon, moi je fais une sieste à chaque fois parce que je suis fatigué sinon. Et oui,
Allez. Enfin ouais, donc là je vous ai un peu raconté ma vie et vous en savez plus sur le métier des boueurs. Alors les gens, si vous mettez des poubelles blindées de pourriture, d'herbe et de trucs qu'on coupe, la taille qu'on appelle ça, et ben vous faites chier parce que vous êtes typiquement le genre que je déteste. Parce que c'est hyper lourd quand c'est bien tassé au fond et Dieu sait combien il y a de gens qui fait ça. Voilà. Attention, le dernier. Voilà. Oh là, c'est beau, c'est beau. Ils sont tous les deux morts, c'est con. Il y a quoi par ici? Rien. Et rien. Merci du coup de main, soldat. Allez hop. Touk, 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 touk. Et donc là, en fait, en tant qu'éboueur, j'entame ma dernière semaine et après, je suis... Bah, j'ai encore une semaine ou deux, environ deux vacances. Et après, je retourne travailler. Enfin, travailler, étudier. Et voilà. Personne peut y aller. Pas la peine de vous traîner comme ça. Voilà, comme ça. Prenez du bacta. Je le récupère, chef. Ah, c'est dans l'autre sens. Y a quelqu'un qui est mort là? Ah oui, lui. Allez, tu vas y aller aussi. Prêt à combattre l'ennemi. Pas la peine de vous traîner comme ça. Allez, prenez voilà, du bacta. Maintenant, je prends du bacta. On avance. 6-2 en position. Emparez-vous de ce séquenceur. Oui, chef. Prêt à reprendre du service. Ah ouais, mais avec l'autre. Ah, classe. Les esclavagistes, ouvrez l'œil. Excellent tir, chef. Hey, tu vas crever, toi. Touche pas à mon pote. Hop là. Ah, tête de mort. Ah, tête de mort. Allez, on avance. Oh putain, ça sent la merde, ça. Encore des tourelles. On entre en silence. Détonateur en position. En silence. C'est bon. Depuis quand on entre en silence? Ah, je suis toujours là où il faut pas, moi. Voilà, et... Voilà, alors ça, c'est parfait. Et il en reste. Oh putain. Ah, j'ai plus de munitions de snipe. Oh, okay. Non, t'y vas pas. T'es malade. C'est pas le moment. Recharger. Mais recharger que je te dis, débile. Voilà, un en moins. Allez, on les défonce, ces derniers qui cons là. Oh putain. Et hop, et après. Je suis comme d'hab. Soldat, commencez l'ouverture de la porte. Oui, chef. Paré à partir au combat. Ah, faut attendre qu'il ait mis le truc. Allez. Et va donc dedans te soigner. Delta, commencez les soins au Bacta. Voilà. Allez hop là. Putain, elle explose, ça tue pas les droïdes, c'est quoi cette connerie? Ouais. Bonjour. Oh putain! Qu'est-ce qu'il fout là? Oula. Vite! Ouais. Là-bas, j'ai vu des grenades. Et moi, je fonce dessus. On peut partir là?
Niveau de santé bas. Oh oh. Ouf, putain. J'étais en stress, je ne voulais pas mourir. Je ne voulais pas mourir. Bien compris. Mais cette tête de mort est morte. Détonateur en position. C'est bon. Grenade lancée. On est dedans. Allez, on nettoie tout. Delta, prenez un peu de Bacta. Putain, ils sont chiants. Je suis en train de défoncer tout le truc. Éliminer la cible. Moi je suis bon, allez on va soigner les autres. Commencez les soins au bâtard. Je récupère, chef. T'as encore envie toi? Bâtard administré. Alors là ça sent la fin. Oh je suis mûri. Je sais pas si vous avez vu, mais le mec il meurt, mais il a le temps de recharger. C'est pas le moment de mourir, chef. C'est pas le moment de mourir, bah. J'ai fait de mon mieux. Va voir sur la plateforme là-bas. Allez, réanime-moi. Voilà, parfait. T'es un ange, mon petit. Localiser le brouilleur 32 chaînes. Bon, bref, on va essayer de faire ça. Oh putain. Ah oui, on a plus que deux. Oh là là, ça va être dur. Il y en a combien? Bah vas-y. Oh putain. Oh là là, ça va être trop hard là. Ça va être trop trop dur. J'ai plus une seule grenade en plus. Ouf. 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 Putain, les deux. Comment là, il va me faire trop mal de... Allez, on recharge. Ah putain! Ça va être hard. Allez, on peut le faire. Il ne reste plus qu'un gros comme ça et après c'est les 32 Shan. Oui. Toi, tu vas te prendre. C'est ça, voilà. Je vais aller le défoncer. Comme ça. Ah mais il est mort, je l'ai tué en fait. Putain, on a géré en fait. Enfin, c'était quand même tendu du stream. Alors voilà. Hacker a un problème. J'y vais. Attends. Là-bas, là. Nous allons utiliser cette ligne de vue. Voilà, et moi je vais aller activer le truc en haut. Ah, il y a des trucs de soins. Allez vous soigner. Bien compris, je récupère du bacta. C'est là-bas, là. Je pense qu'il y a le truc, là, qui disait... Soldat guéri. Le brouilleur. Brouilleur localisé. Annulez cet ordre, soldat. Des droïdes ont des renforts. Attention. Je vais le faire, je vais le faire. Faut pas qu'il me tue, faut pas qu'il me tue, faut pas qu'il me tue. Allez, 5 secondes. Je me suis fait toucher. 3, 2, 1. C'est bon. On va tout faire péter. Je me suis fait vachement mal en le faisant. Oh my god. Non, me tue pas. Non. Il y a un truc de soin ici. Oui, j'ai réussi à y aller sans me faire tuer. Non, hop, voilà. Oh my god. C'est bon? Non, c'est pas bon.
charge. Okay. Et y a plus qu'un bras, lui. Un warrior, le truc. Conseiller, ici Delta 3-8. Nous avons atteint le pont et coupé le signal de brouillage. Vous me recevez? 5 sur 5, 3-8. Je me connecte au système du vaisseau pour obtenir plus d'informations. Ok. Et on fait quoi maintenant? Ouais! Oulalalala! Et bon, on va continuer encore un petit peu ensemble. Allez. Désormais regroupés, les squads se tournent vers la menace que représentent les mercenaires Trandoshan. Les Delta doivent trouver la navette de l'arcage ennemi et la détruire pour arrêter l'invasion à la source. 3-8, j'ai repéré un vaisseau esclavagiste dans le hangar A. Avez-vous rencontré des Trandoshan? Des tonnes. Et ils nous ont envoyé des super droïdes de combat. Les Trandoshan ont montré davantage d'intérêt pour les fourrures de Wookiee que pour les enjeux de cette guerre. Dans ce cas, comme font-ils ici? Et pourquoi les séparatistes vendraient-ils des droïdes aux esclavagistes? Je continue d'analyser les rapports. Pendant ce temps, descendez au hangar A et bouclez-le. Je suis connecté à la grille de contrôle. D'ici, je peux activer certaines fonctions du vaisseau. Ça me paraît bien louche, tout ça. Attendez, vous avez entendu ça? On dirait... tant défoncé. Allez, il y en a un qui va se soigner. Ah, c'est quoi ça? C'est des nouveaux? On peut défoncer leur... Ils ont des trucs de... je sais pas quoi derrière, là. Je veux son arme. À répétition Je me soigne. Il y en a un qui est mort encore, un con. Vous, Bagda, tout de suite. Voilà. Ah ouais, dès qu'on touche leur truc à l'arrière. Hop, alors toi t'es mort. Voilà, et toi. Ça ne serait tardé. Voilà. Putain, faut que je le soigne. Putain, il y en a en face de moi. Non? C'est quoi ce tombe de merde qu'il y a eu là? Il y en a combien là? On va se soigner. Et après on se casse. Delta, commencez les soins au Bacta. Je récupère du Bacta. Ah non, faut défendre le pont contre les attaquants en fait. Allez hop. Go. Retourner à l'ascenseur. Je vais bien mieux maintenant. Putain, mais c'est de la merde leur arme en fait. J'adore le son. Oh ah, mon dieu. J'ai eu chaud aux fesses. J'ai eu chaud aux fesses. Oui. Ok, c'est bon. Avançons lentement et prudemment. Vraiment, c'est là l'ascenseur. Des esclavagistes. Ce vaisseau contient une quantité d'informations considérables sur les Trandoshan. Je sais. Tout ce qui s'est passé à bord a été enregistré. C'est là. Les armes Trandoshan, leur tactique, ces données seraient précieuses pour la République. Et les Wookiees pourraient s'en servir pour lutter contre les esclavagistes. Ouais, c'est toujours bon d'avoir des amis Wookiees. Ouais, on va aller voir les Wookiees après, c'est trop bien. Alors je vais attendre qu'il... Eh hey, mais aidez-moi lui, va me tuer. Tu te grouilles, connard. Hey.
Putain, il est casse-couille ceux-là. On est tous contre eux. Ok, je vais aller chercher des munitions, il doit bien en avoir. Ouais, que dalle. Que dalle! Que dalle! Y'a rien! Ah putain, ils ont fait un peu de boulot. Quand j'étais parti, en reconnaissance. Oh putain! J'ai rien fait moi. Laisse-moi. Mais putain! J'ai besoin d'aide! Voilà qui est fait. Open. Shut down. Ça ne me dit rien qui vaille. Essayez de prendre cet engin sans vous faire tuer. Oui, chef. Essayez. C'est-à-dire que c'est même pas... Si! Moi, je vais reprendre ma vie. Non, mais ils m'ont pas vu, comme si de rien n'était. Delta, commencez les soins au Bacta. Je récupère le Bacta. Eh, hey, j'ai tiré sur son truc là, ça a rien fait. Allez hop. Des petites grenades. C'est toujours ça. Ah putain, mais quel con, il est mort. Je reviens tout de suite. C'est à plaisir. 07 a besoin d'aide, j'y vais. Ah là là. Là ça va, je commence à gérer, je trouve. Enfin, Delta, utilisez votre plus, matériel. Sur ouais, route. C'est par où qu'il faut aller là? Par là, ok. L'architecture n'est pas à mon goût. Changez-moi ça. Il faut qu'on court. Rien de tel qu'une dose de Bacta. Du coup, mais il n'y a personne. Delta, prenez un peu de Bacta. Je récupère du Bacta, chef. Explosif prêt à sauter, chef. À couvert, soldat. Hop là, allez, c'est où cet ascenseur? Canardez-les d'ici, soldat. J'y vais. C'est lui qui va nous couvrir. Zone cible en vue. Éliminez la cible. Ah, c'est là. Des esclavagistes. C'est comment? Belle précision, soldat. Je recharge. Eh hey, mais il me tire dessus ce con là, putain. Ordre annulé. C'est pas assez dur comme ça, tu trouves? On va rajouter un peu de challenge, c'est ça que tu te dis? Bah non merci. Allez, on se casse. Oh la vie. Delta, utilisez votre matériel. Oh putain, vite. Allez hop. On a perdu. Fuck you là. Putain, connard. T'as deux morts là! Ils sont derrière, on s'en fout! Allez! Confinement. Delta 3-8, j'ai analysé les rapports de communication du vaisseau. Les Trandoshans ont organisé une rencontre avec les séparatistes à cet endroit. Ils vont nous remettre le vaisseau? Je contacte la République pour demander de l'aide. Pendant ce temps, allez au hangar et détruisez. Ok. Qu'est-ce que c'est? Attention, une embuscade. On finit ce truc et après, je vais vous dire à la prochaine. Ok, à chaque fois que je flash. Bon. On est coincé dans la zone de détention. Sans blague. Putain, mais laissez-moi finir la vidéo, le connard. Pour l'échanger aux séparatistes. Oh putain, le débile. Terminé, je recharge. Putain, il en lance pas loin. Enfin voilà, donc on se retrouvera la semaine prochaine à cet endroit ici. On va aller défoncer ceux-là. Comme ça, ça sera fait, putain.
Voilà. J'ai l'impression d'être un nerf dans la tanière d'un Gurkhat. Delta 3-8, la zone de détention possède un système de verrouillage automatique. Donc. Ça marche pas. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Trouvez ces circuits et réparez-les. Veux-tu bien fermer ta putain de gueule, enculé? Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ça sera sûrement la fin de cet acte et on ira ensuite sur Kashyyyk normalement avec les Wookiees. Et là, ça va être amusant. Moi, je vous dis à lundi prochain. Portez-vous bien. Bye bye et peace tout le monde. Pour l'instant, il n'y a pas trop de carnage. J'ai rien dit. Bon, bah, je sais pas ce qui s'est passé avec le gosse. Oh non! Vous avez vu ça?